السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا هذا الماتيريو هذا اللي هو عبارة عن كما كتلاحظوا هذا سي ان سابل دو مير. كما كتلاحظوا هنايا هذا سي ان سابل دو مير. كما كتلاحظوا دونك هذا في ليسي، هذا في ليسي كنديروه هاد الصابل. هذا ليتيليزاسيون ديالو كيدار في الفورميلاسيون بور اون ايتيد دو فورميلاسيون دو بيتون. كما كتلاحظوا هما لي زيليمو. دونك فاش كنبغيو نديروه كنديرو ليه لي زيسي. لي زيسي لي زيسي اللي كيديرو في هاد الماتيريو هذا سو سون لي زيسي essai d'analyse de l'apportamisage et c'est équivalent au sable pour déterminer normalement la propreté. Pour l'équivalent au sable, c'est pour déterminer la propreté d'yelo. Je vais faire une espèce d'yel les fins. Rariban pour la partie de la propreté, rariban pour l'équivalent au sable, pour l'essai équivalent de sable, donc l'ES dialo c'est qu'on supérieur ou égal 67%. Donc c'est un sable de mer. Pour les éléments constitués en béton, peut-être qu'on a dit sable de mer. On peut aussi ajouter un autre sable, les qu'on mélange entre les deux, sable concassage. Gravette G1 et gravette G2. Donc hado بالنسبه une suite de formulation de béton كندير les essais ديال granulométrie coefficient d'aplatissement seulement, ou qu'on dire l'essai de l'os pour déterminer la fragmentation, pourcentage de fragmentation, et ici de l'équivalent ça pour la partie de l'essai pour déterminer la propreté. Donc comme vous voyez le sable de mer, donc qu'on dit le granulo, l'essai analyse par tamisage, l'essai analyse granulométrique par tamisage. Donc le pourcentage de l'effet n'a qui compte réellement de pour une sable de mer dans un dosage de formulation de béton ou bien de béton. Mais ce chez foot l'IA pour les fines, sont micronos inférieurs à 10%. Et pour l'essai de propreté, qui l'équivalent de sable, c'est-à-dire ESDL, inférieur ou égal, supérieur pardon, ou égal à 67%, c'est un bon bon matériau pour faire une formulation de béton ou bien un bon dosage de béton ou de sable de mer. On va dire le bhar. Comme vous voyez, donc pour la fraction d'ILO, on va dire qu'on sur les amabines, petit d ce grand d, petit d c'est le plus petit élément existant dans le matériau, et le grand d c'est le d max, le plus grand élément qui existe dans ce matériau là, les wada, petit d c'est 0,02. C'est le sable de mer 02. Sable de concassage, c'est 0,08 ou bien 0,6,3. Suivant le Galiban, l'intervalle de l'essai. Donc, comme vous voyez, donc le sable de mer, le sable de concassage. Donc plus G1, G2,
Et aussi, on peut ajouter G0, le grain de riz, plus le ciment, plus l'adjuvant, si on a des additions. Ou quand une étude de formulation de béton. Une étude de formulation de béton. Inch'Allah, on des vidéos sur les études de formulation de béton, comment on fait un dosage de formulation, je n'en mets les calculs normalement, je n'en mets les calculs normalement nécessaires pour faire une étude de formulation de béton. Donc, en fait, la vidéo, d'abord, je vais vous montrer la sable de mer, comme vous voyez, ou les vidéos, enfin, je vais vous montrer les matériaux. Je vais vous montrer les types des matériaux. Pour voir les types de matériaux. Donc, on va vous laisser la vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.